Salut à tous, c'est Oastory, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de... Enfin, l'unboxing, on va appeler ça comme ça, de deux colis Amazon que j'ai reçus ce matin même. Deux colis Amazon. Je sais ce que j'ai commandé. Par contre, ça paraît quand même bizarre parce que cette boîte, je sais ce qu'il y a dedans normalement. Mais regardez la taille de cette boîte. Franchement, elle doit faire facile... Allez, peut-être pas un mètre, mais on n'y est pas loin, on n'est pas loin d'un mètre. Alors qu'à mon avis, la boîte, elle doit être grande juste comme ça. Enfin, le contenu doit être grand comme ça, mais ils ont fait un gros truc. Enfin bref, c'est pas grave. On va d'abord commencer par ce colis-là. Je vais vous montrer. On va ouvrir ça tout de suite. Normalement, il n'y a pas besoin de... J'ai quand même pris un petit couteau au cas où pour ouvrir, mais sur ce colis-là, il n'y a pas besoin. Ah, l'ouverture, elle est ici. Hop, lourd, j'adore les ouvertures comme ça. Ah, oh, c'est chiant. Ça vous arrive des fois dans même les paquets de gâteaux, vous tirez et merde, ça reste dans la main. On va mettre ça par terre, je passerai l'aspirateur après. Ok, donc hop, on ouvre ça. Vous savez, je pense que vous savez ce qu'il y a dedans. Alors, dans ce premier... Wait. Ok. Dans ce premier colis, on a des boosters Pokémon. On a des boosters Pokémon, un peu de tout. Il y a vraiment un peu de tout que je voulais montrer. Donc, on a... Voilà. On a 5 en tout. 5 boosters Pokémon Soleil et Lune. Gardien Ascendant, donc c'est la dernière extension qui est sortie au mois de mai 2017. Donc voilà, je pense que je vais vous faire des petites ouvertures de ces 5 paquets en attendant la sortie de l'extension Soleil et Lune 3. Donc je sais pas quel titre ils vont mettre encore, je me suis pas vraiment bien renseigné, mais je sais qu'au mois d'août, je crois que c'est le 10 août, dans un mois, ouais, au mois d'août, ils vont s'en sortir la prochaine extension. Donc ouais, on a en illustration, je vais essayer de... Bon, on les a tous en fait. Il n'y a que celui-là en fait qu'on a en double en illustration parce que sinon on les a tous. On a celui-là, on a celui-là, on a celui-là et celui-là. Donc ouais. Ouais, on a 4 différents. Il y a juste celle-là en illustration que je pourrais l'arracher en mode balek, tu vois. Mais je pense que je vais quand même garder les illustrations parce qu'ils sont quand même pas mal celles-là. J'aime bien. Voilà, ensuite avec, on a eu, bon ça c'est la facture, on va éviter de ça. Voilà, avec, j'ai eu le cahier, enfin le livre, pour qui contient dedans 180 pages, je crois, il y a écrit, contient 10 pages. Non, regarde, il y a 10 pages, ok. Donc dedans, il y a 10 pages. Et ouais, il y a 10 pages et dedans on peut mettre 90 cartes recto. Et si on veut mettre recto verso, ça en fait 180. En tout, on peut mettre maximum 180 cartes dedans. Donc déjà, c'est cool. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Là, vous allez voir qui est en bas. Donc de ce côté, il y a ce Pokémon. Après, les Pokémon Lune et Soleil et Lune, j'ai le jeu, mais j'ai pas fini. Honte à moi, j'ai oublié, faut que je m'y remette, j'ai pas fini. Donc ce Pokémon, je sais pas trop comment il s'appelle, donc m'insultez pas dans les commentaires. Ouais, mais il s'appelle nanana, tu vois. Et lui, je crois que c'est Goopix Glass ou Fenard Glass. Je crois que c'est Goopix Glass qui sont en feu et en glace. Et voilà, donc les illustrations, donc les pages, etc. Donc voilà, donc ça on va mettre de côté. Hop. Et du coup, on va passer à ce gros colis. Il n'y a pas d'ouverture facile. Non, il n'y en a pas. Alors, du coup, on va sortir le couteau sans se couper parce qu'il coupe assez bien ce couteau-là. Même très très bien. Je pense qu'un cutter à côté, ça fait pas le poids. Par contre, il ne faut pas que je coupe le contenu intérieur, ce serait quand même dommage. Alors, on va l'ouvrir. Là, c'est un espèce de scotch filaire.
C'est-à-dire qu'il y a des fils à l'intérieur en fait. Ok. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Attends, on va fermer ça, on va pas faire de se faire mal quand même. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Un gros carton pour si peu de choses. Donc dedans, on a franchement un truc de ouf qui s'appelle du journal. On a du journal, c'est plutôt ouf. Ouais, d'accord. Ok. Et voilà, là, chez l'ours GX, le coffret chez l'ours GX. Donc, voilà la différence de taille. Un gros carton pour... voilà quoi. Un gros carton pour ça. Mais c'est pas grave. Donc voilà, dedans, on a le coffret chez l'ours GX. Donc voilà, alors dans ce coffret, normalement, ouais, c'est ça, on a la carte chez l'ours GX plus la carte en version XXL. Donc la carte version XXL et 4 boosters. 4 boosters, soleil et lune 4. Non, 4, soleil et lune 2. Donc du coup, ça fait en tout, ça nous fait 9 boosters en comptant cela. En comptant cela, ça en fait 5 plus les 4, ça fait 9 boosters. Donc du coup, je pense que je vais faire une autre vidéo. Ouais, je vais faire ça en vidéo. Je vais pas faire ça, je vais pas ouvrir dans cette vidéo, mais je pense que je vais faire une vidéo consacrée à l'ouverture de ce coffret et une autre vidéo consacrée à l'ouverture de ces 4 boosters. Enfin, de ces 5 boosters, excusez-moi. Donc voilà. Voilà, on a fait le tour des vidéos. Donc c'était voilà pour vous montrer ce que j'ai reçu et les vidéos qui allaient venir. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si les contenus de ma chaîne vous intéressent, pourquoi pas abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être informé des vidéos qui sont sorties. Et puis voilà. Donc maximum de pouces bleus sur ce petit peluche emoji et on se dit à la prochaine. C'était Web Story, ciao tout le monde.